Yo les gens, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où vous allez réagir à mes looks. On a toujours fait dans l'autre sens, c'est moi qui réagissais à vos looks. J'avais vu que c'était un concept qui vous plaisait, mais là j'ai eu envie d'un petit changement. Parce qu'en gros, c'est moi qui donne les conseils et vous connaissez mes goûts, mais moi je connais pas vos goûts. Donc j'aimerais bien que vous notiez un peu, que vous donniez votre avis sur mes tenues et que vous me disiez ce qui va pas. Donc je vous ai demandé sur Insta de sélectionner 2 photos max par personne, parce qu'après sinon c'est chiant. Sur mon profil Insta, de m'envoyer vos commentaires, pas forcément une note, parce que de toute façon je veux pas les notes, et moi je note pas quand je réagis à vos looks. Et on va regarder tout ça en vidéo. Si les concepts vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Alors on commence avec Melvin qui m'a dit: chaque pièce séparée sont cool, mais le mélange cargo camo plus veste en jean à mes yeux ne coïncide pas. Personnellement, j'aurais changé le bas par un chino, ou j'aurais changé la veste par un bomber, puis peut-être un pantalon un peu plus large au niveau des chevilles, puisque la 500 est assez imposante. Après, ce n'est qu'un avis personnel. De toute façon, pas besoin de préciser que c'est un avis personnel, hein. De toute façon, on demande ton avis, heureusement qu'il est personnel. J'entends ton avis, mais je comprends pas pourquoi tu dis que le mélange veste en jean et camo ne fonctionne pas. Moi je trouve qu'il fonctionne de ouf. Donc bon, après ça c'est une question de goût, enfin, en fait je sais pas trop comment répondre. Tu dis que tu aurais changé le bas par un chino, ça pourrait fonctionner aussi. Par contre avec la paire de 500, je sais pas si ça rendrait bien. Le chino avec la paire de 500, enfin moi je vois pas trop le délire. Changer la veste par un bomber, je pense que ça aurait très bien fonctionné. J'ai un bomber noir qui aurait très bien fait l'affaire avec cette tenue, donc ouais je suis d'accord avec toi. Peut-être un pantalon un peu plus large au niveau des chevilles, de toute façon vous arrêtez pas de me dire qu'il faut que je mette des pantalons plus larges. Bon j'essaye vraiment, je fais des efforts, parce que même moi j'ai envie de renouveler mon style, tu vois, changer, m'orienter vers de nouveaux horizons. Et je suis d'accord, ça aurait pu bien rendre avec la paire de 500 parce qu'elle est assez grosse. Oui, je suis d'accord. Et là tu m'as juste dit qu'en gros il y avait un problème avec mon col et que c'était perturbant. Bon. J'entends bien, ok, pas de soucis. C'est peut-être un peu trop remonté, j'en sais rien. Je vois ce que tu veux dire. Alan, il m'a dit quoi? Il m'a dit: sur cette photo, je mettrai un hoodie un peu bleuté comme les 700 et un t-shirt blanc. Pour moi, ce sera le mieux, sinon le jean passe bien avec la paire. Alors, c'est vrai qu'un t-shirt bleu, ça aurait pu passer avec la tenue carrément, parce que la paire est bleue, enfin, ouais, pour matcher avec la paire, comme t'as dit. Après, je sais pas si t'avais attention, mais la 700 a des orifices orange, donc c'est pour ça que j'ai mis un truc orange en fait, pour matcher avec les orifices de la 700. Mais après, ton idée pouvait fonctionner, bien sûr, hein, je suis d'accord. Et le jean passe bien avec la paire, merci, hein, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils disent et si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas. Alors Badr qui m'a dit: alors pour moi c'est la meilleure tenue que t'as mis sur ce compte, ça te va beaucoup trop bien, l'association est osée mais ça passe crème. Bien sûr, toujours la petite montre qui est en classe. Bah merci mon gars, bah du coup là il y a aucune critique, bah ça fait trop plaisir, merci pour le soutien, pour la force, ça motive à faire plus de photos, c'est cool. Et par contre pour cette tenue il me dit: j'ai pas kiffé cette tenue, je pense que c'est à cause de l'association du jogging et les sneakers avec le truc qui ressemble à une cape. Ouais c'est une cape, comment ça le truc qui ressemble à une cape? Et du coup c'est un mélange de street et de classe et j'ai pas kiffé ce mélange et je trouve qu'il fallait un peu plus de couleur en haut. On sent que la Sakai se sent seule. Alors ce que je comprends pas dans ton commentaire c'est que tu parles de mélange de street et de classe. Je vois le côté street, mais la classe, je vois pas du tout. Pour moi, c'est entièrement street. Après, je comprends ce que tu dis dans le sens où les Sakai, c'est la seule touche de couleur, mais c'était le but en fait. Je voulais faire un look full black avec une paire de sneakers qui pète, que tu vois. C'est un truc qui se fait beaucoup en plus. Enfin, bon, ok, je comprends, mais c'est vrai que ça aurait pu marcher avec une touche de couleur sur le dessus. Sacha qui me dit: je kiffe la tenue Yeezy Wave Runner, dingue cette paire, pull orange qui fait un rappel au orange que t'as sur la Yeezy. Juste, j'aurais mis un jean noir, mais je kiffe, mais vas-y, j'ai pas l'oseille moi pour la Wave Runner. Ouais c'est vrai qu'elles sont archi chères. Bon là du coup c'est juste une question de matière. Moi je trouve que bon, ça aurait pu passer évidemment avec un jean, mais justement je voulais rester dans le style sportswear, parce qu'Adidas c'est une marque de sport quand même. Et c'est pour ça que j'avais mis un jogging. Et encore c'est un jogging vraiment ajusté, que tu vois c'est un peu en mode sweatpants. Mais c'est vrai qu'avec un jean ça aurait pu passer aussi, donc j'entends ta remarque, pas de soucis. Sauce barbecue, alors lui je sais qu'il est très très pointu, il a des idées très très affirmées, j'aime bien. Alors matching validé, le rappel de couleur entre la paire et la veste et le hoodie je valide. J'aurais mis un jean de la même couleur que la veste et assez large pour qu'il tombe. Il adore, il aimerait trop me voir avec plein de trucs larges. Il arrête pas de me dire qu'il faudrait que je mette plus de large. Lui il me le dit tout le temps. J'aurais mis un jean de la même couleur que la veste et assez large pour qu'il tombe sur la paire, sinon ça fait baguette avec parpaing au pied. Je vois l'effet dont tu parles, mais là pour le coup je trouve que ça fait pas trop ça. Ça passe. Parce que je trouve que comme je suis assez grand et le jean n'est pas non plus ultra skinny, ça passe, mais je vois l'effet dont tu parles. Et pourquoi pas une petite casquette ou un petit bob en plus et une banane ou sacoche? Une petite casquette là-dedans, ouais, ça aurait pu passer. Un bob, je porte pas de bob, j'aime pas trop l'effet. Et une banane ou sacoche, ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ça aurait pu rajouter un petit détail, ouais, je suis d'accord. Par contre, j'ai que une banane noire. Et je pense pas que ça aurait bien rendu avec cette tenue qui n'a pas de noir en fait. Mais je vois, je suis d'accord. Faudrait peut-être que je m'achète plus de bananes, je sais pas. Et pour la deuxième, j'aurais pas mis la veste en jean avec le jogging, ça va pas ensemble. Non, là je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que le mélange de veste en jean et jogging, je trouve que c'est grave. C'est un match de deux styles qui fonctionne pour moi, c'est original, j'aime bien. Tu dis que ça va pas ensemble, ok c'est ton avis, mais moi je rejoins pas du tout pour le coup. Là je ne conçois même pas cet avis en fait. J'aurais mis un jogging plus large, bah, de toute façon je vous avais dit, il a trop envie de me voir avec du large. Mais de la même matière et resserré vers le bas, ok. Et j'aurais mis un petit hoodie gris ou bleu oversize de la même couleur que la paire et une sacoche simple et pourquoi pas une casquette ou un bob. Mais après je trouve que ça ferait un peu trop monochrome déjà que la veste en jean est la même couleur que les chaussures. Bon c'est pas trop mon délire de faire
tout de la même couleur. Et je vois que t'aimes vraiment les casquettes et les bobs. Les casquettes, ok, mais tu me verras jamais avec un bob. Ça me va pas du tout. Personnellement, j'aurais choisi une paire un peu plus imposante et je n'aurais pas mis la veste. Je trouve qu'elle casse un peu la tenue et j'aurais fait des ourlets au pantalon. T'aurais choisi une paire un peu plus imposante. C'est vrai que ça aurait pu fonctionner. J'aurais par exemple pu prendre une 700, la 700 analogue pour garder la même couleur blanche. Ça aurait pu fonctionner, ok. Pas mis la veste, je trouve qu'elle casse un peu la tenue. Je comprends pas trop. Quand tu dis qu'elle casse la tenue, moi je trouve qu'elle dynamise la tenue au contraire. Après, bon, chacun son avis. Et j'aurais fait des ourlets au pantalon, c'est vrai que ça aurait été top. Franchement, ça aurait été top. Mais le problème, c'est que je ne sais pas faire d'ourlets. C'est toujours une cata quand je fais des ourlets. Je suis assez débile pour regarder des tutos sur internet. Mais ça fonctionne toujours pas. Je sais pas faire d'ourlets, c'est comme ça. Hein. Mais bon. Mais c'est vrai que ça aurait rendu bien avec des ourlets. Si seulement je savais les faire. La tenue, je surkiffe archi mon style, ça fait plaisir. Ça passe crème, après j'aurais pris une paire de shoes, genre une Puma RSX verte que tu as là. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu bien rendre avec cette tenue. Une Puma RSX verte, ouais, pourquoi pas. Mais sinon, avec ce jean et la ceinture qui fit bien habillé, surtout la banane, waouh, non, franchement, je mettrais. Oh, ça fait trop plaisir. Ça fait grave plaisir. Merci, mon gars. Mais après, je suis d'accord, ça aurait pu bien rendre avec la paire de Puma RSX verte. Bah, ça aurait pu bien rendre avec plein de paires, hein, tu vois, mais ouais, ok, si c'est juste un swap de chaussures, pourquoi pas, je suis d'accord. Alors cette photo est cool, il y a peu de couleurs, mais le rouge n'est pas assez présent avec l'Air Force rouge, ça aurait été bien. Alors moi justement, je voulais jouer sur le fait que, parce que la pièce dominante, je trouve, de cette tenue, on peut dire que c'est le cargo pen, mais moi je trouve que c'est vraiment le hoodie. De par sa couleur, il donne le peps à toute la tenue. Et je voulais pas que ce soit trop matchy-matchy avec les chaussures, parce que les chaussures rouges, mais Air Force rouge, elles sont vraiment... Elles prennent toute la lumière dans une tenue, on voit qu'elles. Donc je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu too much. J'aime bien genre juste ces petites bandes rouges sur la NMD, je trouve que c'est subtil, mais il y a quand même le petit rappel rouge, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après je trouve que ça aurait fait too much, donc... Pour le coup, je suis pas trop d'accord. Très bien, car le jean et le souteneur, ça fait ressortir les chaussures, on les voit direct sur la photo. Alors merci. Bon, par contre, c'est pas un jean, genre c'est un sweatpants, c'est un sorte de jogging, mais genre vraiment léger et vraiment ajusté. Mais merci du compliment du coup. Alors Paul qui me dit, j'aime beaucoup les couleurs, mais personnellement, je pense que tu devrais porter ton cargo un peu plus bas. Genre faut pas trop long remonter, je crois que c'est ça que t'as voulu dire. Bah moi, j'aime pas trop cet effet baggy en fait. Sur le cargo, surtout sur ce cargo là qui est déjà assez large au niveau de l'entrejambe, j'aime bien le remonter comme il faut, parce qu'après je trouve que ça fait trop... genre. J'aime beaucoup la tenue, mais le seul bémol, c'est la coupe du t-shirt. Tu devrais essayer soit des t-shirts oversize, soit des t-shirts cintrés mais longs. Comme ça, le t-shirt tue la longueur de ton manteau. Voilà, j'espère que mon avis t'a inspiré. T-shirt oversize, j'en ai. T-shirt cintré mais long, ça, j'en mettrai jamais parce que je trouve que ça fait un effet baguette, surtout sur moi qui suis déjà une baguette. Après, un t-shirt long pour suivre la longueur du manteau, là, je trouve que pour le coup, ça aurait aucun intérêt. Parce que le but, c'était justement un mélange de longueur, un mélange de coupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si le t-shirt avait la même longueur que le manteau, l'effet, il serait complètement gâché. La longueur du par-dessus, je trouve qu'elle est grave mise en valeur avec un ensemble en dessous qui a une taille normale. Donc, ça, encore une fois, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le par-dessus, il est mis en valeur par des pièces qui ont une taille normale, tu vois. Parce que le par-dessus, il est long, c'est la seule pièce longue de la tenue. S'il y a plusieurs longs, ça fait pas très beau. Pour moi, faut pas trop long dans une tenue, sinon c'est pas ouf. Bon après c'est que mon avis. Timal il m'a envoyé un vocal. Là la tenue numéro 1, celle que je t'ai envoyée, je l'aime beaucoup aussi. Mais genre le truc que j'aurais changé c'est la paire noire, t'as vu. Ok, le petit détail blanc sur la semelle, mais genre moi j'aurais pris une paire blanche tout court pour rassurer. Le truc c'est que la paire, je trouve qu'elle est grave mise en valeur justement parce que le reste de la tenue est ultra clair, tu vois. Mais c'est vrai que ça aurait pu marcher avec une paire plus claire. Ça aurait pu. Et tout ça, genre avec la montre, la casquette, j'aurais pris une paire blanche, genre. Ça aurait pu marcher. Pour ça, ça passe avec tout ça. Ouais. Et pour la deuxième, genre. J'ai kiffé aussi la deuxième, c'est juste que la paire de Yeezy, je pense que. Je l'aurais changé aussi. J'aurais mis une paire rouge, je sais pas quelle paire, genre, mais j'aurais pris une paire rouge pour le pull et la paire, tout ça. Après, je suis d'accord, une paire rouge, ça aurait pu fonctionner aussi dans cette tenue. J'aime beaucoup de tenues rappel-rappel, tu vois, le haut et les chaussures de la même couleur. Mais là, j'ai juste voulu un petit peu changer, c'est tout, en fait. Mais c'est vrai que ça aurait pu fonctionner aussi avec une paire rouge à la place des Yeezy, bien sûr. Alors, Léopold qui me dit, je trouve la tenue archi stylée, mais je trouve que le pant n'est peut-être pas adapté. Avec un jean, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Cette vidéo, ça a gravité ma justification, en fait. Je trouve que le pant, le reste de la tenue, en fait, est fité, tu vois. La veste est assez fitée, courte. Les chaussures sont assez raffinées dans le sens où elles sont fines, tu vois. Je trouve que le pantalon, il dynamise la tenue de par sa forme et de par son motif. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris ce pantalon avec ces motifs là. Voilà, c'est comme ça que je me justifie. Et comme c'est un motif camouflage globalement rouge et bordeaux, je me suis dit que ça allait bien avec les Air Force. Les Air Max One, pardon. Ouh là. Mais oui, avec un jean, évidemment, il y avait moyen de faire un truc. Donc oui, je reçois ton avis, je suis d'accord, mais c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Voilà les gens, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes d'accord avec ce qu'ils m'ont dit, si vous pensez que je devrais plus changer mon style. Et même à chaque fois que je mets une photo, hein, s'il y a des photos où vous trouvez que j'aurais dû changer telle ou telle pièce, bah c'est cool de me le dire, moi j'aime bien recevoir vos conseils. Comme ça on se donne tous des conseils pour progresser, c'est cool. En tout cas moi je vous attends tous sur Insta pour me dire ça, je vous souhaite de bien vous porter. Tchuss.